On va à présent passer rapidement en revue les formules de duplication qu'il faut évidemment connaître par cœur. Et on prendra x, un réel, et on aura cosinus de 2x est égal à cos carré x moins sinus carré x. Alors cette relation peut aussi s'exprimer différemment puisqu'on sait que cos carré x plus sinus carré x vaut 1 et ça va nous faire soit 2 cosinus carré de x moins 1 ou alors 1 moins 2 sinus carré x. Donc première à retenir, un peu plus compliquée que celle-ci, sinus de 2x qui en fait est simplement égal à 2 sinus x cosinus x, qu'en général vous retenez assez facilement d'ailleurs. Mais celle-ci, retenez-la parce que vous retrouvez les deux autres à partir de celle-ci et de la relation fondamentale cos carré plus sin carré égale 1. Ensuite, on peut utiliser ces équations pour exprimer dans l'autre sens, évidemment. On peut dire bah, cos carré de x, du coup, ça va être 1 plus cos de 2x sur 2. Ça vient simplement de cette équation-ci, d'accord? J'isole cos carré de x, et évidemment, sinus carré de x, je peux l'isoler aussi à partir de cette équation-là, et ça va me faire 1 moins cosinus de 2x sur 2. On vérifie bien que si on fait la somme des deux, eh bien, cosinus de 2x sur 2 va se simplifier, il fera 1 demi plus 1 demi, ce qui fait bien 1. On retrouve ici, en combinant les deux, cos carré x plus sin carré x est égal à 1.